bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Thierry. Quelle joie de vous accueillir pour le thème du jour, l'inversion des priorités. Nous allons regarder cela dans le livre d'Agé, chapitre 1, dans quelques instants. Merci d'être là, fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, Another in the Fire, là dans le feu. Merveilleux chant de Chris Davenport et Joel Houston. Alors, la petite lèche du bas pour les paroles du chant. On y va ensemble. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus, qui était et qui est et sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouis quand même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends le précieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer.
Le thème du jour, l'inversion des priorités. Regarde cela dans Agé, chapitre 1, versets 4 à 6. 4 à 6. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Vous savez, dans le contexte ici, Dieu donne aux Juifs la mission de reconstruire le Temple de Jérusalem dès leur retour de l'exil. Et 15 ans plus tard, le Temple n'est toujours pas terminé et ils se construisent de leur côté de belles maisons au lieu de consacrer du temps à la maison de Dieu. Et Agé leur rappelle quelles sont leurs priorités. Vous savez, nous avons tous... je suis certain que vous êtes d'accord avec ceci. Nous avons tous des demandes sur nos vies, de la part de nos amis, de la part de nos employeurs, de la part de l'Église, de nos familles. Et nous courons sans cesse, parfois comme une poule pas de tête, courons sans cesse pour un programme ici et là, nous courons pour le sport et les activités des enfants et pour nos activités aussi. Et quelqu'un disait, nos valeurs et nos priorités sont reflétées par notre façon d'utiliser nos ressources, notre temps, notre argent et nos talent, c'est ça qui détermine souvent nos valeurs. Il est possible que nous ayons à réorganiser nos priorités par rapport à notre service pour Dieu, par exemple. Nous sommes tous sujets à nous soucier de nos besoins physiques, parfois au détriment de notre relation avec Dieu. Et dans notre texte de ce matin, les Juifs n'accordent pas la première place à Dieu. Leur problème est l'inversion des priorités. Ceci dit, Dieu veut que nous ayons une belle maison. C'est pas un problème pour Dieu que nous ayons une belle maison. Ce n'est pas un problème pour Dieu que nous profitions de la vie qu'il nous donne. Ce n'est pas un problème pour Dieu que nous jouissions de cette merveilleuse vie, de tout ce qu'il a à goûter, à manger, à boire. Il désire simplement que nous fassions de lui notre priorité. Parce qu'en faisant cela, en faisant de lui notre priorité, nous allons être mieux organisés et nous allons être davantage bénis. Et si par exemple je néglige, c'est un exemple que je donne, de donner à Dieu ce qui lui appartient, par exemple du côté de mes finances, je le fais passer en deuxième et je me prive aussi de grandes bénédictions. Alors le docteur Dave Hartson disait ceci, « Lorsqu'il s'agit de Dieu et des choses de Dieu, vous arrive-t-il de vous trouver des excuses? Les excuses sont une indication que Dieu n'est pas votre trésor. » Oh, Monsieur Hartson, il a raison. Et je vous pose les questions suivante. Connaissez-vous un frère ou une sœur en ce moment, une sœur en Jésus qui a besoin de prière, qui a besoin d'une aide quelconque et jusqu'ici vous n'avez rien fait? Connaissez-vous un voisin ou un ami qui a besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie et vous n'avez encore rien fait à ce sujet? Alors de grâce, ne manquons pas les bénédictions de Dieu en cherchant des excuses, mais passons à l'action aujourd'hui et bénissons Dieu que nous sommes rassasiés, bénissons Dieu que nous sommes désaltérés, bénissons Dieu que nous avons une maison, un toit et que nous avons chaud, mais surtout, bénissons Dieu que nous sommes sauvés et transformés par la puissance de son Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Et nous voulons également une inversion de priorité pour les gens qui nous entourent parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Et ce n'est pas de leur faute nécessairement. S'ils ne savent pas, ne connaissent pas, et si nous ne leur présentons pas celui qui peut faire justement la raison de leur priorité, Jésus, alors...
faisons un effort. Faisons un effort prochainement, justement, pour focaliser ceux qui sont dans le besoin, et c'est les personnes autour de nous. Alors, on va prier ce matin. Plusieurs sujets de prière. Je ramène souvent certains mêmes sujets de prière. Et parce que il arrive que je n'en reçois pas d'autres non plus, alors c'est toujours important que vous m'envoyiez vos sujets de prière. Alors, on y va ensemble. Seigneur, nous prions pour Léa, afin qu'elle te découvre et t'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie, et qu'elle soit restaurée des douleurs qu'elle a subies du passé. Prions pour Josiane de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour bien accompagner sa fille Léa également. Nous prions pour Madeleine afin que tu la guérisses de cette paralysie. Prions pour Manon afin de lui enlever ses angoisses et ses tocs invalidants. Nous prions pour Antuel, merci d'enlever toute trace de métastase dans son corps, toute trace de cancer. Par ta main toute puissante, Seigneur, merci d'agir. Merci pour les femmes qui désirent tomber enceinte, Seigneur, de leur donner ce que leur cœur désire. Prions pour Carole qui a reçu dernièrement un deuxième stimulateur cardiaque. Seigneur, merci de poser ta main sur lui surnaturellement. Prions pour Jérémy, pour un nouvel emploi, de le bénir, de le combler au-delà de ses attentes. Nous prions pour Fabienne, qui a des voisins bruyants. Seigneur, merci de régler la situation. Nous prions pour Didier, pour le salut de Didier. Révèle-toi à lui surnaturellement. Nous prions pour les études de Corentin et de Mathis. D'entreprendre, Seigneur, de leur donner la capacité de terminer ce qu'ils ont commencé. Seigneur, merci pour nous. Prions pour Arlette qui a des tocs persistants. Merci de la guérir de cela et de la combler de ta présence. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les accompagner tout au long de cette journée dans le nom de Jésus. Il était avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte un poids. Le Sauveur m'aura ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oui, il est avec moi dans le feu. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu vous donne. On est ensemble.